Bienvenue sur le plateau de Ciné Vintage. Bonjour. Bonjour Brice. Ciné Vintage, c'est aussi une collection de beaux livres DVD disponibles en librairie. En 176 pages, l'histoire du genre illustrée par plus de 300 photos. La force titanesque qui lui a permis d'accomplir ses 12 travaux le fera triompher d'ennemis aussi rusés que féroces. Parce que je ne crains plus ni les hommes ni les dieux. Hercule, tu as offensé les dieux, mais je t'aiderai quand même. Sibylle, dis-moi où est Déjanir. Steve Reeves, the star you cheered as Hercules and as Goliath, now heroically portrays the first great champion of the Olympic Games. Je l'ai trouvé très, très humble et très sympathique. Metro-Goldwyn-Mayer's Gold for the Caesars. People of Rhodes, the colossus you build is now a nest for the traitors. J'ai fait 8 jours, je crois, sur le tournage du Colosse de Rhodes à Alicante. C'était les scènes sur le port. C'est très bien pour Cléopâtre, il réécrivait la nuit le scénario qui était donné le matin aux acteurs après avoir été renéotypé. Do as you say, literally, as if I was something you had conquered. C'est une histoire assez rigolote. Un film del peplum, un film su Ercole, che si tuffa nell'acqua, gli fanno un pompino. Dice, ma è possibile? Un film per i bambini con un pompino, ma come gli viene in mente? Ercole, era un periodo divertente, ma... Avvocate, un, deux! Alors c'est un festival, le Festival Arélate, qui est né d'une initiative citoyenne, l'association Peplum, qui a lancé un festival de films Peplum au Théâtre Antique. Lorsque nous avons débuté en 1987, nous avons eu les gens, j'allais dire, de mon âge, des nostalgiques des années 60, les gens qui allaient au cinéma, qui allaient voir des Peplums. Hein. You mustn't be afraid of men. Are you sure, Hercules? Halt, Sinistrum! Halt, Sinistrum! Halt, Coléum! La fabuleuse Cléopâtre, l'étrange et merveilleuse créature qui ensorcela Jules César, sera-t-elle la perte de Marc-Antoine? Salouette! Il poulette! Vanireux! Berger! Parti! Bon!